Et coucou, j'espère que vous allez Bien. bien. On se retrouve pour le troisième et dernier jour en Andorre. Donc là, on va aller petit déjeuner et après un petit peu de shopping pour bien finir. Pas changer. Non, après hier, on a plus fait du lèche-vitrine quand même que dépensé. Et marcher surtout. On a beaucoup Fait marché. 14 km, je crois. Oh, ça fait du bien. Et après, on va aller du coup au pont tibétain. Et là, je suis en train de regarder, c'est parfait C'est parce que nuageux. dehors, c'est nuageux, donc on risque de pas trop souffrir de la chaleur. Voilà. C'est parti. Bienvenue dans les Summer Vlogs 2024. Suivez nos aventures. C'est parti. C'est reparti pour un tour. Bacon, tortilla, œufs brouillés, saucisses, fromage, jambon de pays. On va où, papa? On va où? Regardez-moi ça! Ce qui est des prix, je vous les mets ici. Et en même temps, vous avez les horaires. C'est dans la galerie Pyrénées, Andorra. Et là, je vous emmène, on va aller découvrir ce qu'il y a. À savoir que les boissons sont comprises dans le prix. Ça, par contre, c'est vraiment un plus. Alors déjà, regardez-moi ça, il y a un coin grillade. Et dans ce coin grillade, vous avez soit poisson, soit viande. Vous avez de la paille là. Là, on a tout ce qui est crudité, entrée froide. Là, vous avez la section fromage. Charcuterie. Les pâtés. Alors ça, je trouve ça extra. Vous avez un coin pour faire votre salade composée. C'est vraiment top. Vous avez du saumon frais en plus. Vous voyez, pour ce qui est des protéines, pour composer votre salade, vous avez des lentilles, du thon, du saumon frais ou du saumon fumé. Et là, vous avez un espace fruits de mer. Puis ensuite, tout ce qui est huile, vinaigre et un petit assortiment épices, différents pains. J'avais oublié de vous montrer le côté condiment. Donc en fait, vous avez des légumes vapeur. Vous avez des gratins, des pommes de terre, du poisson déjà préparé, du riz assaisonné, saucisse de douce. Vous avez tout ce qui est calamar, nem, frites, pâtes avec différentes sauces et du parmesan. Puis on passe au coin dessert, dont vous avez un assortiment de bonbons, une fontaine en chocolat, alors ça j'adore, de quoi faire des glaces à l'italienne et ensuite des fruits et plein de petits assortiments de desserts. Et là, vous avez le côté du coup bar et boisson. Bon, pour ce qui est du coup du buffet, moi c'est validé. Très validé. Bon bah voilà. Par contre là, je sais pas comment. Je ne sais pas comment on va faire pour gravir la montagne, aller au pont tibétain et au belvédère. Enfin bon, ça va nous faire digérer, je pense. Je cache mon double menton en faisant comme ça à chaque fois. Bon allez, c'est parti. Monsieur Aigri aura peut-être le sourire dans la montagne. Nous allons monter au belvédère. Là-haut. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous vous rendez compte comment ça monte, mais ça monte. La vue, elle est magnifique.
un buffet à volonté avant tout ça. Est-ce qu'il y a eu l'idée de venir là surtout? Ah oh, ça je l'avoue c'est moi. Le buffet aussi c'est toi. Ah ouais? Ouais, quand tu l'as vu hier. Ah merde. J'ai pas fait le bon combo là. Non mais je suis une ancienne sportive. Ah ouais. Il y a 15 kilos de moins. Tu m'en tenais là, peut-être lâcher. On a fait le pont tibétain, on a repris un bus pour venir au Belvédère. Bon là ça va, avec le bus j'ai réussi à reprendre un peu mon souffle parce qu'au pont tibétain, tu disais que j'étais quoi? Une truie en train d'agoniser. Non mais les mots d'amour de Mehdi. Là, il... On se retrouve cette fin de journée, on s'est un petit peu reposé et là on est en train de faire les... une zone dans les hauteurs. C'est des... n'importe quoi les maisons qu'il y a ici. Je vais vous partager, c'est vrai que les maisons elles sont magnifiques. Mais là on peut croire que c'est petite les maisons, mais en fait ce qu'on sait, ce qu'on voit pas c'est qu'elle descend d'en bas. Il y a ouais, trois, je sais pas si vous allez voir là, elles sont... Mais on va aller voir côté bas en fait. C'est n'importe quoi. C'est surdimensionné. Même le garage. Non, en fait, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, quand ça construit là. Ouais, c'est, en fait, nous on voit le dessus en haut, quand là on voit. Il y a tout, il y a 3-4 étages quoi. Donc, s'il vous plaît, pour réaliser mon rêve d'habiter sur les hauteurs d'Andorre-la-Vieille, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Même juste un petit appartement comme ça, vous voyez, t'as une vue. Une vue. Bon, et là, Mehdi s'est emporté, on a quitté carrément la route goudronnée. Le chemin des contrebandiers. Ah. Non. Apparemment, c'est pour un super point de vue.